Hello tout le monde, donc alors aujourd'hui je retrouve une vidéo qui va durer pendant tout le mois de décembre. Genre je comprenais un petit peu ce qui va se passer, il y a le titre aussi. Parce que ça va être une vidéo où je vais venir vous ouvrir, ouvrir ensemble le calendrier de l'Avent de Yves Rocher. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes le 1er décembre, donc là, on commence à ouvrir les calendriers de l'Avent. Voilà. C'est-à-dire que le jour numéro 1, je suis assez déçue. Voilà. Franchement, j'espère que ça sera mieux après parce que au premier jour, on a eu un petit échantillon de parfum. Voilà. Donc c'est pas ouf ouf quoi. Donc c'est l'eau de parfum Yves Rocher, donc celle d'Azur. Donc c'est leur nouvelle eau de parfum. Hop, pardon. C'est cool, je vais pouvoir tester. C'est sympa. Mais bon, voilà, au moins une petite miniature, voilà, comme il faisait avant. Je sais pas, au moins un petit truc comme ça, voilà. Donc j'espère que demain ça sera bien mieux. Et je vous laisse tout de suite. Hello tout le monde, aujourd'hui jour 2. Et aujourd'hui on a le petit bain douche, premier flocon, pardon. Je suis quand même assez contente parce que cette odeur est une vraie tuerie. Donc voilà, aujourd'hui je suis un peu plus ravie quand même. Et si j'avais pas eu de réaction allergique, j'aurais été encore mieux. Hello, donc aujourd'hui c'est le jour 3. Et aujourd'hui on va dire enfin un produit qui me convient. Vu que c'est un petit format de shampoing, mais c'est une miniature, donc ça pour moi je suis tout à fait d'accord. Les miniatures, ça me plaît absolument pas et justement, c'est très bien parce que normalement que des produits full size, bah on n'a qu'un corps. Donc c'est un shampoing crème, donc au fructane d'agave, donc nutrition à l'avocat relipidant, donc en format 50 ml. Donc je me ferai un plaisir de tester. Voilà, je vous fais des bisous, je vous laisse avec la suite. Aujourd'hui, pour le jour 4, je suis très matinale, vu qu'il est actuellement 7h12. Et aujourd'hui, donc ce n'est pas pour moi, voilà, mais parce que je ne suis pas une thérèse de ça, mais c'est un polissoir, donc ce n'est pas le genre de produit que j'utilise, donc là, ce sera pour ma maman. Bon, ça lui fait un plaisir, un cadeau comme ça. Donc voilà, bon, du coup, aujourd'hui, c'est pas ouf, mais c'est juste par un mois en fait que j'utilise pas ça, donc j'ai hâte d'être demain. Hello, alors jour numéro 5. Aujourd'hui, on a une petite miniature de l'Omiclar apaisante sensitive végétale. Donc, c'est l'Omiclar que j'utilise tous les jours. Donc, je suis très très contente. Du coup, ça me permettra d'avoir un petit format en plus. Voilà. Bon, je pourrais dire que j'utiliserai en vacances, mais je sais très bien que je pense que j'utiliserai avant. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, parce que je trouve que cette micellaire est très très bien. Et je trouve qu'elle est très soucieuse de la peau. Donc, je pense qu'elle peut convenir à beaucoup de monde. Donc, là, je suis très contente aujourd'hui. Et là, alors aujourd'hui, je trouve pour le jour numéro 6, avec une tête un peu explosée, une voix explosée. On est vendredi. Aujourd'hui, c'est la base SOS Resist, donc le premier en grand format du calendrier. Ça, c'est très très cool et de toute façon, elle est très très bien. Je vous la conseille toujours. Voilà, à demain. Aujourd'hui, jour numéro 7, cette fois qu'on est en week-end, je vous prends à midi. Aujourd'hui, c'est un petit échantillon. Ça c'est pas ouf ouf, voilà, moi je préfère les miniatures, voilà, j'aime pas d'avoir des miniatures mais des échantillons. Enfin, surtout que là c'est vraiment des échantillons qui donnent à la caisse, vu que j'en ai un en ce moment d'une autre gamme. Bon, c'est quand même un bon produit, voilà, avec la crème hydratante apaisante sensitive végétale. Mais bon, voilà, c'est pas ouf ouf, mais bon, c'est quand même un bon produit. Hello, donc je retourne pour le jour 8 avant d'aller au sport. Donc j'ai mon débardeur, j'ai un masque dans les cheveux. Bref, on est dimanche. Et aujourd'hui, pour le jour numéro 8, ça tombe très très bien vu que c'est le jour où je vais refaire ma manucure. On a un petit vernis. Donc c'est le 4140. Donc c'est un rouge. Vous voyez pas. Ah si, vous voyez bien quand même. Donc un petit rouge. Du coup, bah voilà, je vais faire ma manucure. Donc je le testerai là. Donc vous verrez demain sur mes ongles parce que là, il y a encore l'ancien. Il faut que j'enlève d'ailleurs. Donc ça tombe très bien. Par contre, j'aimerais bien voir. J'espère qu'il y aura un peu de maquillage. C'est vrai que pour l'instant, bon, ça c'est considéré un peu comme du maquillage, mais voilà. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a que du soin un petit peu. Donc on verra bien demain ce qu'il y aura. Mais en tout cas, je suis très contente pour le histoire en rouge. C'est toujours sympa. Et tout le monde, aujourd'hui, je trouve le jour numéro 9. Voilà, on commence une nouvelle semaine. Et aujourd'hui, on a un petit gel douche de la collection de Noël. Donc celui-ci, c'est au cœur des sapins. Donc on a le bain douche, donc je vous redis pas, tout ça, allergie, tout ça. Mais je vais quand même sentir parce que du coup je l'ai pas senti parce que je crois que c'est à l'orange, il me semble. Bois et agrumes. Donc pas trop mon truc. Ça va, mais je préfère largement le produit flocon, vraiment. Heureusement j'ai pas pris la crème pour les mains parce que j'aurais pas trop aimé.
Donc ça va être pour ma maman, voilà. Et moi, de temps en temps, je le testerai peut-être une fois. Hello tout le monde, aujourd'hui, je vous retrouve pour le jour numéro 10 et 8 déjà. Donc aujourd'hui, c'est assez cool, vu qu'en fait, je viens d'apprendre que j'ai qu'une heure de cours aujourd'hui, de 14 à 15, donc ça va. Et du coup, avant de prendre tes produits, je voulais revenir sur le vernis qu'on a eu dimanche. Bah, franchement, pas top top, parce que bah, justement, j'ai fait la manucure dimanche. Et j'ai déjà plein de petits trous sur les ongles. Au bout de, bah, c'était déjà hier, donc au bout de même pas une journée. Donc, bah, je trouve, du coup, ça fait con parce que bah, ça gâche vraiment la manucure. Ouais. Et aujourd'hui, alors, ça va, je suis assez contente. On a le gommage végétal, donc d'abricot, pour le corps. Bah, je l'ai jamais testé. Donc, en format 30 minutes, donc une petite miniature. Donc, je le mets dans ma salle de bain, vu que j'utilise tous les produits, hein, voilà. Il sent très très bon l'abricot. Vraiment, c'est hyper agréable. Donc ça, je te le serai avec plaisir, même si en ce moment, je vous avoue que j'ai un peu la flemme de m'occuper de moi. Ouais, mais du coup, je vais essayer de faire l'effort, voilà, de me faire un peu gommage, revenir à mes gommages 2 fois par semaine. Ouais, mes masses 2 fois par semaine, ça, je vais essayer. Mais voilà, ouais, donc je suis assez contente, du coup, je vous en parlerai prochainement. Voilà, mon avis dessus. Hello, alors il est jour numéro 11, je sors de la douche parce que je reviens du sport, il est 4h. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que c'est une miniature de la solution de l'eau micellaire démaquillante hydravégétale, donc j'ai pas encore l'occasion de la tester. Donc c'est très très cool, vu comme ça, bah, je pourrais justement la tester et tester cette gamme. Hello tout le monde, aujourd'hui je retrouve le jour numéro 12 et le numéro 13. Vu qu'hier j'ai tellement pas eu le temps de filmer, vraiment, bah, j'ai commencé à 8h, j'ai fini à 5h30, et voilà, j'ai pas eu tout le temps. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai le temps, donc je vais faire les deux. En même temps, hier c'était pas foufou, vu que c'était un échantillon de parfum. Voilà, j'avais raison. Du coup, c'est le plein soleil cette fois-ci, donc toujours leur nouvelle collection. Hein. Alors, il sent bon, du coup, ça fait 2 jours que je le mets, donc hier et aujourd'hui. Il sent bon, mais je préfère le sel nature entre les deux. Mais voilà, encore échantillon. Bon, voilà. Bon, c'est pas ouf, ouf. Et aujourd'hui, on a eu un petit lait pour le corps, donc de la gamme Au cœur des sapins. Alors, c'est très bien qu'on ait celui-là, vu qu'en fait, le premier flocon, j'ai déjà. Voilà. À demain, c'est le week-end. Je on a aujourd'hui jour numéro 14 déjà. Qu'est-ce que ça va se dire vraiment dans 10 jours, c'est Noël. Et dans 6 jours, c'est les vacances. Là, c'est génial. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un produit que je vais utiliser vu que c'est un gel douche. Voilà. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, de temps en temps, je l'utilise. Donc je pense que vous en parlerez quand même dans les produits terminés. Donc c'est le mangue coriandre. Alors ça ce sera pas pour ma mère parce que ma mère déteste l'odeur de la mangue. Enfin, je trouve qu'il sent bon, hein, mais elle vraiment c'est vraiment un truc qui lui va pas. Je trouve qu'il sent bon, du coup je pense que par contre pour l'hiver peut-être pas trop. Moi j'aurais peut-être pas trop mis pour l'hiver, mais bon. Voilà, parce que bah c'est quand même bien. Voilà. Donc voilà, ouais, du coup, je vous dis à demain. Alors ce matin on est le 15 décembre et je sais que j'avais vous fumer la vidéo. Vraiment réveil, bon. Donc jour numéro 15. Alors le calendrier est vraiment très léger, alors qu'il reste quand même encore 9 jours. Donc ça me fait un peu peur, voilà. J'ai peur qu'ils mettent des produits pas très très ouf. Donc le numéro 15 c'est en longueur. Comme le numéro 4 et le numéro 4 j'ai pas trop aimé. Je crois qu'il y a tout en longueur, j'aime pas trop. Ça va très petit quand même. Peut-être encore un échantillon. Oh non! C'est très bien! Parce que il y a quelques jours, je demandais du maquillage et pas bah, bon, au bout de 15 jours quand même. Donc, c'est un jumbo couleur végétale. Donc, c'est le point d'endroit nacré, donc fard eyeliner. Ouais, par contre, c'est pas très crémeux vu que c'est donc un crayon, donc je pense que ça va être un peu plus compliqué que par exemple les crayons regard de chez Fruit Lab que j'ai utilisé. Mais je vais tester aujourd'hui, voilà, après ma séance de sport pour ma journée. Donc je vous dis à demain. Je dois aujourd'hui lundi 16 décembre, donc on est dans la dernière semaine entière avant Noël, sous la dernière semaine de cours. Ça te ressemble, déjà je suis enrhumée, je suis désolée, bon là, je suis un peu reniflée, voilà. Je pense que c'est une vidéo de quelques secondes, vous pouvez supporter. Voilà, je suis enrhumée, je suis fatiguée, et en plus, ça va pas être une semaine très très reposante, on va dire. Bref, c'est la dernière semaine avant les vacances, c'est celle qui achève vraiment tout.
Aujourd'hui, alors on a encore un gel douche pour celui-ci, je pense que, même pas je pense, je vais le tester, vu que c'est le baume lavant réconfortant au beurre de karité pour les peaux extra sèches. Ouais, je me dis que peut-être que cette version assez bah, baume, assez crémeuse, peut-être que ça ne me fera pas d'allergie. Je vais tester, voilà, histoire de quand même avoir au moins un gel douche que je puisse tester, parce que du coup, les gels douches, ils y vont quand même assez content aujourd'hui. Et à demain! Et là, dans un dernier jour numéro 17, je vous retrouve pour la même chose. Donc aujourd'hui, bah, la case numéro 17, donc j'ai déjà ouvert. J'ai 14, mais j'ai quand même remis dedans, histoire de faire genre. Dedans, donc c'est le masque pour les cheveux secs, donc masque crème 2 en 1 nutrition. Alors, je l'ai déjà eu en miniature en cadeau chez les branchés au début du mois, ou fin du mois de novembre, un truc comme ça. Et mais j'ai déjà fini, je passais que 30 minutes, donc ça se finit quand même assez vite, en surtout sur un masque à chaque shampoing, même 2 fois par semaine, donc ça se finit quand même assez vite. Donc mais il est très très bien, donc je suis très contente du coup de pouvoir encore le tester. Hello tout le monde, alors là je vous retrouve pour le jour numéro 18, on se rapproche de plus en plus de Noël. Je suis vraiment très contente parce que là vraiment les cours, j'en peux plus, je crois que vraiment là on commence, ça commence à vraiment être compliqué. Surtout que j'ai des problèmes depuis bah, début novembre en fait, ça vient de faire 2 mois où voilà, j'ai pas mal de soucis au niveau mental on va dire. Enfin, voilà, je suis pas folle, hein, mais voilà, il y a pas mal de trucs. Et voilà, donc ce qui fait que là, je pense que les vacances vont faire du bien, même si ça a commencé aux dernières vacances, donc c'est vrai que voilà, mais du coup, je pense que les cours ont fait que, voilà, c'était un peu, voilà, un peu compliqué, de toute façon, en hiver, on s'est un peu dedans. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, donc, il y a eu un petit vernis. Alors, je me suis dit, si aujourd'hui t'as le temps, tu feras ta manucure. J'ai pas eu le temps, voilà, pourtant, j'avais pas beaucoup de devoirs, mais c'était des devoirs qui étaient très importants, voilà. En français, on commence à faire tous ces commentaires, dissertations, tout ça, donc c'est vrai que c'est un peu aussi des gros devoirs, et voilà, puis aussi, j'ai deux contrôles demain et tout, donc c'est vrai que j'ai un petit peu, ouais, j'ai pas eu trop de temps, et j'ai aussi envie un tout peu de me reposer aussi, bon, du coup, je pense que, bah, je la ferai, pendant l'histoire, j'aurai pas le temps, enfin, j'aurai pas le temps, en fait, bon, faudra déjà que j'ai le temps d'enlever mon vernis, ce sera déjà bien, donc, du coup, c'est un vernis Yves Rocher forcément. Donc c'est le 103 Camélia Nacré. Alors vous verrez peut-être pas du coup. Mais c'est vraiment un rose un peu bébé, voilà, comme on appelle, avec bah, justement des petites paillettes dedans, comme l'indique le titre. Voilà, donc je fais des bisous, je vous dis à demain. Hello, donc là je vous retrouve pour le jour numéro 19. Alors, il est où donc je ne l'ai pas ouvert aujourd'hui. 19. C'est pour ça que je l'ouvre avant. Il est juste là. Regardez, il est de plus en plus léger. Petit. Alors, on a eu les champignons de la crème sanitaire végétale, donc on a la hydrate végétale. Et au final, cette crème, tellement je l'ai en échantillon, je crois que je vais finir par avoir un pot entier. Donc, c'est déjà la crème version top 48 heures. Très, très bien, vraiment, cette crème est très bien, je l'ai testée en échantillon justement. Et du coup, bah, ça va aller dans ma salle de bain et voilà, je retesterai. Ça fait une voire deux utilisations. Donc, on va faire un petit échantillon quoi. Donc, c'est pas ouf. Et d'ailleurs, maintenant j'ai fini l'eau micellaire hydra végétale. Elle est très bien parce que justement elle démaquille hyper bien. Voilà, à demain. Et l'autre moment, donc aujourd'hui, je vous retrouve pour le jour numéro 20 et aussi le 21 et le 22. Parce que nous sommes le 20, mais ce week-end, je ne serai pas chez moi donc je pourrai pas les ouvrir. Et je me suis dit, j'allais les ouvrir aujourd'hui du coup avec vous. Donc on a le numéro 20. Hop. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est la crème main premier faucon en 30 minutes. Ça c'est très bien. Donc là je suis en train d'utiliser non les pas la framboise bande poivrée que j'avais en cadeau. Mais ça celle-là est très bien sur leur crème. C'est vraiment très très cool. Et ce petit format ça permet vraiment de changer assez rapidement. Quoique celui-là quand il a duré à peu près 15 jours, 3 semaines. Non, ça dure 40 moments. Très contente, ce sont les crèmes mailles brochées, je les aime beaucoup au niveau de l'hydratation, ils sont vraiment top. Ensuite, alors le jour numéro 21, c'est assez lourd. Attends, j'ai le douche. Attends, j'ai le oh, à l'argan et à la rose. C'est une gamme que ma mère adore. Et même moi, je l'ai utilisée, du coup, je vais vous faire le gel douche. Et c'est quoi l'autre truc que je vais vous faire avec la crème pour les mains?
Et c'est vrai que ça sent divinement bon. Et voilà, de temps en temps, j'aime bien aussi l'utiliser. Ça lui fera une petite miniature pour elle. Voilà. Pour aussi l'utiliser en plus de son jeu. Je ne pense pas qu'elle est finie. Donc. Ah, donc on a le jour numéro 22. C'est un long gars comme ça. Ça a l'air assez large. Je vois pas ce que ça peut être. Ah, c'est un vernis. C'est le 43 cerises noires, c'est justement le quatrième que j'ai. Voilà. Peut-être que c'est celui-là qui s'offre le plus souvent. Du coup, bah, je vais l'offrir à quelqu'un. Voilà. Peut-être une de mes amies, voilà, que ça lui fera plaisir. Mais parce que bah, du coup, ça me sert à rien, je l'ai déjà, et même si c'est génial, je vais pas garder un produit exclusif. Donc au final, du coup, ce week-end, c'est quand même pas mal. Bon, au final, il n'y a que ça vraiment que je vais utiliser, mais en même temps, le vernis, voilà, c'est pas leur faute. Mais voilà, vraiment, je suis très très contente, et ça, donc, je vais aller dans mon stock tout de suite. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis, bah, du coup, pour moi, à dans 3 jours, et pour vous, à demain, pour l'avant-dernier jour déjà. Et le tour, alors je vous retrouve pour le jour numéro 23 et 24, vu qu'hier j'ai pas eu le temps de le faire. Ouais, je suis en vacances, mais c'est là où j'ai le moins de temps. Du coup, alors au niveau du jour 23, on a eu un produit maquillage. Donc c'est un mascara à sourcils. Donc ce n'est pas un genre de produit que j'utilise. Mais je me disais que ce sera l'occasion de tester. Donc c'est en tant que numéro 2. Je sais pas si ça va être trop foncé ou pas, pour vous voyez rien. Peut-être s'il va être trop foncé ou pas pour moi, je testerai, voir tout se faire. Ouais, donc je crois pour l'instant que j'ai forcément des problèmes de sourcils, rien. Mais voilà, donc très grand ce qu'il y a du maquillage. Et le jour numéro 24, celui-là qu'on attend le plus. Et bah, je suis aussi ravie que c'est encore du maquillage. Donc on a eu quand même 3 produits de maquillage, donc ça quand même assez cool. De toute façon, je vous ferai un bilan juste après. Donc c'est le grand rouge élixir en teinte numéro 102. Donc qui est un petit rose. C'est une teinte comme ceci. En tout cas, elle est vraiment super jolie. Je pense que ça va devenir la teinte, si elle est mate, que je vais mettre tous les jours. Et voilà, en tout cas, elle est très beau. Et je pense que pour tous les jours, ça peut être bien bon. Donc, alors, on va faire un petit bilan de ces calendriers de l'avant. Alors, je suis assez contente dans l'ensemble. Pour ma part, parce qu'on a quand même 4 échantillons sur 24. Donc, ça fait quand même voilà, pas ouf. Donc, 2 de crème et 2 de parfum. Même si ça m'a permis de tester les parfums. Même si les deux odeurs que j'ai eues, je ne les achèterai pas parce qu'en échantillon ça passe, mais tous les jours je pense pas que voilà, c'est pas trop bon genre de parfum. Mais voilà, aussi, au niveau du maquillage, donc on a eu 3 produits, parce que moi les vernis je considère pas ça comme du maquillage. Du coup, c'est quand même bien. 3 produits de maquillage, je pense que c'est bien parce que du coup les 3 ça peut faire un look. Au niveau des soins, je suis quand même assez contente parce que bon, on a eu 2 eaux micellaires, donc j'ai déjà fini une. Il va falloir des produits, je les ai utilisés. Sauf les gels douche, mais je les ai utilisés une ou deux fois de temps en temps, histoire de quand même tester. Là, parce que je suis allergique, donc forcément, voilà, ça il faut pas savoir. Pour l'instant, en somme, je suis quand même assez contente. Bon, j'ai pas été calculée, et oui, alors 30 000, c'est combien, c'était ce prix-là, donc pour ça, on en a combien, j'ai pas envie de le faire. Mais je pense qu'on en a quand même pour notre argent, donc je suis quand même assez contente. Putain, c'est pire en pire, j'ai rien de lumière. Alors du coup, est-ce que l'année prochaine je le rachèterai? Pourquoi pas, vraiment pourquoi pas, parce que j'aime beaucoup cette marque Yves Rocher, je pense que vous l'avez compris à force, que je l'aime beaucoup. Pourquoi pas le racheter, parce que j'étais vraiment très contente. Et ça m'a permis de découvrir des petits produits assez sympas, notamment pour les cheveux. Je pense que je m'y attarderai un peu plus, vu que ça a l'air d'être des très bons produits. Et aussi le gommage corps à l'abricot qui est juste génial et que je n'avais jamais testé. Ouais, très contente, bon, je suis un peu déçue que ce soit déjà fini parce que ouais, c'était mon petit plaisir d'avoir mon petit cadeau tous les matins. Mais bon, après, c'est comme ça chaque année, hein, toujours quand on ouvre la dernière case, on est un peu triste. Même si après, on a Noël, donc c'est vrai qu'on oublie très vite, mais voilà. Donc, je suis très contente de ce calendrier. Pourquoi pas le reprendre la prochaine fois, vous verrez ça sur la chaîne si je suis toujours là. Vu que déjà là, avec les cours, j'ai l'impression d'être sous l'eau, la prochaine en terminale, je ne sais même pas où j'en serai à ce moment-là. J'espère que ça ira mieux parce que là en ce moment ça va pas tip top, voilà, c'est un peu compliqué. C'est comme ça, c'est la vie on va dire. Mais voilà, donc du coup je vous fais des bisous, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, je pense qu'elle va être au moins 20 minutes, c'est sûr. J'ai pas encore fait le montage mais je pense qu'elle va l'être. Donc du coup là je vous la poste le même jour. Donc je vous souhaite de passer un très bon réveillon. Voilà, un très bon réveillon avec vos familles, un très bon Noël. Et normalement, on se reverra avant le 31 décembre, donc je vous souhaiterai une bonne année après. Mais voilà, du coup, je vous fais un bisou et je vous souhaite de passer une très bonne fête.